coup. Evangélie, belle comme tu es, j'imaginais bien qu'un jour, si tu allais faire du théâtre, ça serait forcément dans un rôle correspondant à ton physique. Et tu as repris un grand classique de Georges Feydeau. Mais ne te promène donc pas toute nue. Et oui, tout un programme. Est-ce que dans la pièce, une seule fois, elle est toute nue? Alors en fait, pour l'époque, on appelle ça toute nue, parce que ça se passe dans les années 1920, et je suis quand même très dénudée, en nuisette, tout le long de la pièce. Et il faut savoir que mon mari est un homme politique, et on reçoit des hauts de la société chez nous. Et je reste comme ça, avec une attitude désinvolte, en petite tenue, avec des situations cocasses. Donc en fait, voilà. Et j'ai la chance d'être le rôle principal, donc c'est vrai que je m'éclate avec une troupe de 6 acteurs. Avec qui tu joues ? Pièce de boulevard, donc il y a notamment Delo qui a écrit l'acte 2 brillamment. Et donc voilà, on est 6 sur scène, c'est carrément 1h40 intense, beaucoup d'humour. Oui, ça part dans tous les sens. Ah, on n'en peut plus. Hein. C'est non-stop, du moment où le rideau se lève, c'est sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, jusqu'à la dernière réplique. C'est pour ça que j'ai la pêche, je comprends mieux, je suis encore dans l'adrénaline du spectacle. En tout cas, merci à vous deux. Voici la...